Home Backupper, donc logiciel de sauvegarde et clone. Donc je suis en train de faire une image disque, voilà, une image de mon PC, voilà, ma partition Windows avec les programmes, sachant que j'ai deux disques durs, donc un C et un Z. Donc je sauvegarde le système, je crée une image disque. On appelle ça une image disque, ce n'a rien à voir avec un clone. Un clone, ça clone, ça copie tous les fichiers comme ils sont, ça les reproduit sur un autre emplacement. Voilà. Et une image disque, ça sauvegarde tous les fichiers dans un seul fichier qui est compressé et qui s'appelle donc une image disque. Voilà. En général, c'est ce que font les utilitaires quand vous achetez un PC neuf. Certaines marques propose de sauvegarder le système, ça crée une image disque, voilà, notamment chez Acer par exemple, et qui marche très bien, voilà. Alors maintenant, je ne sais plus si cette option y est, parce que voilà, je sais que moi, je l'ai déjà fait lors de l'achat d'un PC Acer. Il y a un DVD qui vous est donné à l'intérieur, bien avant d'installer des logiciels, de vous connecter à Internet, on vous demande de mettre le DVD pour créer une image disque, voilà. Donc il faut mettre le DVD, ça va copier l'intégralité de Windows et les programmes dans une image disque. Donc, je refais une vidéo parce qu'apparemment, j'ai demandé sur YouTube à un professionnel que je connais comme ça sur YouTube. Il m'a confirmé que oui, ça copie bien sans faute. Voilà. Mais moi, voilà, j'ai un doute quand même. Voilà. Pas sur ce qu'il dit, entre parenthèses, mais. Produit gratuit, faire comme ça des choses, voilà, en étant gratuit, ça m'étonne. Voilà, surtout que il y a une version pro. Donc là, c'est encore plus bizarre. Donc pour moi, je vais quand même essayer. Voilà, je suis en train de faire une image disque avec le logiciel, bien sûr. Voilà, je me suis mis sur sauvegarde et j'ai cliqué sur sauvegarde système. Voilà, et là, ça me crée une image disque. Là, ça va me mettre ça dans un seul fichier, dans la partition de mon choix ou dans le disque dur de mon choix. Donc là, j'ai choisi le disque dur. Et bien sûr, je voulais vous dire, n'oubliez pas de vous couper totalement de Internet. Alors, désolé, je filme avec mon appareil photo. Donc, si c'est pas trop top, bah désolé. Donc, j'ai désactivé complètement l'antivirus, j'ai désactivé les agents. J'ai coupé le pare-feu de Komodo. Je suis bah J'ai exit le pare-feu de Komodo, bah, c'est pour ça que vous ne le voyez plus, et je me suis complètement déconnecté de l'internet. Voilà. Alors pourquoi je fais ça? C'est parce que moins vous avez de choses qui sont activées, et mieux ce sera pour faire la copie. Voilà. Alors je vous rappelle que j'ai essayé en mode sans échec avec ce logiciel, et apparemment il ne veut pas se lancer. Voilà, c'est marqué impossible en mode sans échec. Donc là, moi ce que j'ai fait, j'ai créé une image disque. Et au niveau de la compression, donc je suis allé dans les options et j'ai compressé au maximum. Voilà. Et là, ça fait à peu près un peu plus de 10 minutes. Donc là, il m'a sauvegardé 30 et quelques gigas en même pas 15 minutes. Donc là-dessus, très bien, on va dire très bien, parce qu'il y a des logiciels, c'est beaucoup plus long. Surtout que j'ai sélectionné compression au maximum. Donc là, normalement, ça aurait dû mettre plus de temps. Donc après, c'est à vous de choisir le niveau de compression. Éventuellement, bah, vous regardez mes autres vidéos que j'ai fait. Je vous ai montré donc l'option. Bon, apparemment, il me dit que ça marche. Voilà, ça marche, il n'y a pas de problème. Tu peux réinstaller après donc ça sur un autre ordinateur, sur le même, bien sûr, et ça va repartir. Voilà. Mais comme je vous dis, j'ai un doute parce que c'est du gratuit. Et voilà. Et surtout que la version pro, donc faut quand même se méfier des fois. Alors je vais quand même sauvegarder cette image, c'est pas grave. Au pire des cas, si je vois que quand je restaure cette image un jour parce que mon PC il plante, voilà, c'est le but de faire une sauvegarde d'une image, c'est quand votre PC il plante, au lieu de tout réinstaller, bah hop, vous faites une image disque et puis vous réinstallez tout ça. Voilà. Donc bah, le jour où je le ferai, bah, je le ferai et puis on verra. Si j'ai des messages d'erreur, bah, ça veut dire que ça n'a pas pu tout copier, donc c'est bien ce que je vous disais. Si je n'ai aucun message d'erreur, tout va bien, eh bien ça veut dire que bah, ça fonctionne. Voilà.
Donc, que vous dire de plus? Bah, pas grand-chose. Si vous avez des questions, bah, posez-les. Et puis voilà. Donc, c'est bien armé backupper standard. Il est installé donc sur mon PC, sur ma tour, là, qui est ici. Hop. Donc, ça, hop, voilà, c'est le logiciel. Il est installé sur mon PC Windows 7. En vous rappelant que j'ai désactivé ici les programmes qui sont activés, aussi bien l'antivirus, je me suis déconnecté de Internet et j'ai bien entendu coupé, mis sur off le pare-feu de Komodo. Voilà. Donc, que vous dire de plus? Bah, rien. Donc, on verra bien quand je vais restaurer, quand mon PC va planter. J'espère que non. Mais bon, avec Windows 7, faut se méfier parce que c'est souvent que ça plante. Enfin, quand je dis souvent, ça arrive. Hein, voilà, c'est comme ça. Et d'où l'utilitaire de ces logiciels, c'est de pouvoir restaurer l'image sans avoir à tout réinstaller et vous casser la tête à tout réinstaller vos logiciels qui peut des fois prendre une semaine. Voilà. Sans compter les mises à jour de Windows qui mettent 3-4 jours, voire des fois une semaine. Et donc la sauvegarde sera, voilà, moi j'ai laissé par défaut le nom de la sauvegarde, j'ai tout laissé par défaut, donc la sauvegarde sera dans un dossier comme ça. Voilà. Et ça fait, hop, voilà, j'ai compressé, propriété. Voilà, ça fait 12 gigas, sachant que normalement ça fait 32 et quelques, je crois. Voilà. Donc vous allez avoir un dossier éventuellement comme ça si vous laissez par défaut. Si vous l'ouvrez, comme je vous ai dit, il n'y a qu'un seul fichier. Voilà, il est compressé. Voilà, avec l'extension point. C'est quelle extension ça? Bon, j'ai du mal à voir. Enfin, voilà, bref, c'est avec une extension A quelque chose. Donc ça, ce dossier, ce fichier surtout, qui est à l'intérieur, vous ne le perdez surtout pas. Voilà. Éventuellement, vous pouvez renommer ici le dossier. Et vous mettez bah, quelque chose qui va vous faire penser que c'est sur ce PC-là. Voilà, parce que si vous avez plusieurs ordinateurs, faut pas se tromper quand vous allez se restaurer. Voilà. Si vous mettez ça, vous êtes trompé d'ordinateur, bah, forcément, ça ne va pas fonctionner. Ou alors avec des problèmes. Donc, vous pouvez renommer le dossier, mais ne renommez pas ici ce fichier-là. Ce fichier-là, vous le laissez parce qu'il est mémorisé dans le logiciel. Voilà. Et éventuellement, vous pouvez le déplacer sur un autre endroit de votre choix, sur un disque dur externe. Et puis après, quand vous allez restaurer, bah, il va falloir lui montrer le chemin où vous avez mis ce dossier. Tout au moins, c'est surtout ce qui compte, c'est ce fichier. Voilà. Ne touchez pas, ne le renommez pas, laissez-le comme ça. Le dossier, vous pouvez le renommer, mais pas le fichier.